Try to tell me something. 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 Try to tell you something. Try to tell me something. Try to tell me something. Try to tell me. Can't you tell me? En fait, on a peu été en dehors de la France. On l'a été très rarement, à part au Québec, mais là c'était une année un peu particulière. Du coup, on n'a pas bien conscience de comment ça peut être dans les autres pays. Maintenant, on a conscience du fait que, enfin, je pense que, en fait, et puis nous, on a eu la chance de d'être pas mal accompagnés, que ce soit au très local, hein, d'une salle de concert, ou plus largement au sein du réseau de l'Essonne, etc., où on a eu quand même beaucoup d'accompagnement, c'est-à-dire accès à tout un tas de choses qui peuvent être aussi bien théoriques que appliquées. Donc ça peut être un peu des genres de formations sur comprendre un peu les institutions, comment ça fonctionne, qui est responsable de quoi. Et puis d'un autre côté, on avait aussi accès à des salles de concert pour soit faire des résidences, soit faire des répètes, tout un tas de choses. Et je pense que c'est quand même une chance. En tout cas, nous, typiquement, on a réussi à mettre les pieds dans le monde professionnel par ces institutions-là. Voilà, ça a commencé par des... Ouais. C'est tout, quand on revient en tout en arrière, la première fois on a vraiment mis les pieds dans une SMAC en tant que nous, c'était parce qu'on faisait des accompagnements EMC, donc c'est en fait au plan, qui font des accompagnements avec une école d'ingénieurs du son. Et donc c'est comme ça que là on a commencé à vraiment fouler la scène en tant qu'artiste. Alors c'était pas devant du public, mais c'était pour préparer les futurs ingé-sons. Et c'est d'ailleurs là qu'on a rencontré notre ingé-son. Comme quoi, en fait, c'est vraiment des choses qui fonctionnent en termes de réseau. C'est comme ça. L'ingé son d'aujourd'hui, hein, Essonne en scène, c'est un ingé son qui nous suit depuis le début, qu'on a rencontré quand on faisait ces séances de MC. Je déclenche l'ouragan, le prochain tourbillon. Moi j'oublie tout, j'oublie mon nom. Je fonce droit devant, déraciné. Je fonce droit devant, possédé. Possédé, 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 possédé. Posséder. Après les flammes, après les cendres, j'ai fait mon lit dans un volcan. J'ai pris ton bout au creux des pierres. Dans l'œil du cyclone, j'attends. Il est né en 2003 et à l'époque, moi j'étais disquaire, Arnaud était programmateur aux Instants Chaviré à Montreuil et Benoît Sonnette, le troisième, était s'occuper d'un label de disques, Textile Records. Et on avait l'habitude d'organiser des choses ensemble déjà depuis un bout de temps, en binôme mais jamais à trois en fait, on n'avait pas encore trouvé l'occasion de faire des choses à trois. Et on a été contacté par un groupe argentin qui s'appelle Reynolds.
C'est un groupe assez mythique puisque le leader charismatique, si on peut parler de leader dans ce genre de musique, est un batteur-chanteur trisomique. Et du coup, c'est un groupe vraiment qui nous a un peu scotché, qui nous a intrigué. On s'est dit, tiens, il faut les accueillir, mais on va pas faire juste une soirée de concert classique avec deux groupes qui jouent. On va essayer de créer un événement un peu spécial. Donc on s'est dit, tiens, on va faire un festival de deux jours. Sauf qu'au départ, voilà, c'était pas censé durer comme ça pendant 20 ans. Ça s'est passé où, la première édition ? C'était aux Instants Chavirés. Moi, je travaillais là-bas, du coup, je programmais des choses avec, justement, avec Franck, avec la boutique de disques Bimbo Tower. Bon, Franck s'occupait, on faisait des soirées déjà ensemble. Avec le label Textile Records, on faisait aussi des soirées ensemble. Il y avait une amitié certaine et puis une envie de faire les choses, de faire un ménage à trois. Et du coup, l'arrivée, effectivement, de ce groupe hors tout, hors norme, argentin, nous a permis de commencer ce festival avec l'idée dès le départ de mélanger un peu, justement, des scènes qui sont souvent un petit peu étanches, des scènes des musiques expérimentales un peu larges et de se permettre justement de gommer un petit peu les frontières qui pouvaient exister entre ces différentes scènes. Sur deux soirées, au départ c'était deux soirées avec trois groupes par soir, donc c'était une échelle complètement différente de celle à laquelle on est arrivé maintenant. Et je pense que si on avait à l'époque visé à arriver à un truc comme aujourd'hui, on aurait arrêté tout de suite. Les gens ont répondu présent, ça nous a tellement enthousiasmé qu'on s'est dit qu'on n'allait pas en rester là. Donc il y avait ouais, du monde, des groupes, des bons concerts. Il y a ce truc assez incroyable, c'est qu'effectivement il y a ce groupe Reynolds là, dont, qu'on rêve d'accueillir, qui arrive, qui participe à cette soirée qui est géniale. Ils sont en tournée et après on leur dit au revoir, ils partent en Angleterre, mais à cette époque-là les Argentins rentrent en Angleterre. À cette époque-là c'est 2003, hein, on n'est pas en plein conflit des Malouines, mais on est quand même, il y a encore un écho. Il y a un passif. Les Argentins pour rentrer en Angleterre c'est pas si simple, et donc du coup ne rentrent pas en Angleterre et donc reviennent chez nous, et donc du coup on s'est refait une petite soirée bonus la semaine d'après avec un concert des Reynolds qui était enregistré pour la radio londonienne Résonance, et qui était un super concert où on était les musiciens, 3-4 personnes en chair et en os dans le public, et un public de poupées et de petites marionnettes et de peluches. Et évidemment, une fois que les Reynolds ont déclaré que c'était leur meilleur public qu'ils avaient jamais eu, on s'est dit qu'on avait un bon festival sous le coude. Quand on dit qu'ils sont revenus chez nous, c'est vraiment ce qui s'est passé, puisqu'ils ont dormi une semaine chez moi. Je m'appelle être mon frère, car le parcours fait des jaloux. Les crèves l'anal deviennent junards. Les carrés fesses, le Dieu jugera. Je les caresserai dans le sens du poil, à la recherche de leur clito. Trop de mes refrains qu'on plus de pitié. Trop de vérité qu'on peut clipper. Oh la street, c'est pas ma mère. Lui donner sa vie, c'est pas malin. Moi je suis que pour stocker ma liasse. Mais trop de trucs pour que ça mène au mariage. Police, pêche de un peu d'euphorie. Moi je vois rien d'autre que peine de mort pour pédophilie. Fais le raciste, on tape ta mère, on débat pas. Parle à nous.
de chat avec la haine à tes papas. La police tue, toi tu filmes. Eh bien bravo, rébellion et fusion de sang, c'était la routine quand j'étais ado. Donne la joue, c'est le genre de bail qu'on a zappé, qui va vite à nous a demandé d'aller qu'tel tous leurs apôtres. Te fatigue pas, tes défauts, poteau zaté. La street, la vraie, c'est le petit jeune brun, bande de Zako. Itch pour les petites sepas, taco pour les sepiers. D'élite faciès, vous au bas, y'a plus le temps de se faire péter. Donc ça livre avec une ouvreuse dans la ville. Elle fera le retour avec une capsule dans la chatte. On sent bien dans la vie d'artiste. On sent bien dans la vie d'artiste. On sent plus responsable une fois que la cime s'active. Car faut faire graille la mif avec où ça s'active. Charbon, 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 charbon. Frérot, chapeau, moi j'continue le charbon, charbon. J'veux leurs euros, pas leur pardon. Charbon, 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 charbon. Ça a été une sorte de croissance endémique, pas extrêmement, encore une fois, c'était pas une ambition, c'était pas un, on visait pas un truc qui allait devenir aussi gros, mais ça s'est imposé de lui-même, parce qu'il y avait cette idée à chaque fois de présenter un panorama encore un peu plus large, des musiques qui nous intéressent, de dépasser justement le champ seulement des musiques expérimentales, noise ou improvisées, abstraites, etc., et puis vraiment de faire le lien avec tout plein d'autres formes de musique qu'on écoutait, qu'on écoute. Et bah forcément, quand on avait que deux soirées, on pouvait pas présenter un panorama si large que ça. Et puis alors du coup, on avait envie de faire plus de soirées pour pouvoir en présenter un peu plus. Et puis assez rapidement aussi, on a vu que le nomadisme était une notion intéressante et importante pour nous, pour pouvoir avoir une identité propre au festival et non pas seulement au lieu qui l'accueille. Et ça a permis justement d'écrire aussi des programmations en fonction des endroits où on joue, qui sont pas tous des endroits qui sont faits pour accueillir des concerts, loin de là. Il y avait quand même cette idée, quoi, de décontextualiser, pour recontextualiser des choses, de les enlever de l'endroit où elles sont faites d'habitude pour les faire à notre manière dans d'autres endroits. Et puis justement de pouvoir vraiment élargir la programmation et de d'écrire à chaque édition une petite cartographie de ce qui nous passionne dans toutes ces musiques, à une échelle qui est plutôt internationale, et puis de réussir à trouver la façon de faire, les moyens pour pouvoir fabriquer notre programmation à notre sauce. Est-ce qu'il y a d'autres comme évolution notable? Bah, disons qu'au départ c'est étroitement lié aux Instants Chavirés, qui reste un partenaire avec qui on fait toujours des choses, hein. Donc cette année encore, et il se trouve qu'il y a le besoin d'aller dans d'autres lieux, mais c'est aussi parce que voilà, les Instants Chavirés, c'est une certaine capacité, et puis qu'on avait envie de faire venir de plus en plus de monde. Du coup, on était un petit peu limité dans la capacité de la salle. Mais après, il y a eu l'envie aussi de dépasser le fait d'organiser juste des concerts, et de donc développer tout un cycle d'action culturelle, par exemple. De travailler au départ avec des lycéens, le lycée autogéré de Paris, on a beaucoup travaillé avec eux, et puis il y avait ça se fait dans les deux sens en fait. On a amené les artistes au lycée, et puis les lycéens sont venus aussi bosser avec nous sur la lumière, le son, etc. Donc il y a un vrai échange comme ça. Et puis de cette action culturelle, ça s'est aussi développé avec le public en situation de handicap,